savait que si on montait les ballons, on a pu, et c'était ce qu'on devait faire, trouver des solutions, parce que même si la défense était semblée replacée, on a réussi à trouver des solutions, notamment avec Mélissa Agathe qui arrivait secteur central, et donc on a réussi à les accrocher un petit peu sans réussir à égaliser, à passer devant. C'est vrai que depuis le début de la saison, on a essayé de beaucoup travailler sur notre défense qui, je pense, était un peu notre point faible ces derniers temps. Et c'est vrai que l'équipe de Fleury, niveau duel, et c'est pas forcément très grand, donc c'est vrai que c'était difficile. Et voilà, mais le score nous permet de dire qu'on a fait un bon match, mine de rien, et qu'on a remporté quand même le match. Fleury, il y a des joueuses atypiques qui posent des problèmes à toutes les équipes du championnat. Donc Fleury, on savait que Fleury, ça pouvait être compliqué. Fleury était venu gagner la dernière à Brest. Hein. Donc il y a des très bonnes joueuses, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Maintenant, le match, on l'a en main et il ne suffit pas de marquer des buts quand tout va bien et quand on n'a pas de pression. Il faut aussi être capable de faire la différence quand il y a de la pression. Oui, ils sont venus dans le match, mais on a été capable, heureusement, de remaintenir l'écart. Voilà, donc, ce que je retiendrai, c'est que dans la difficulté, on a encore été capable de gagner le match. Maintenant, on ne peut pas se satisfaire du contenu, encore une fois. Il y a encore trop de choses qui sont incertaines, notamment une certaine stabilité dans les performances individuelles. On peut avoir des regrets, encore une fois. Donc, déjà, c'est un résultat qui est négatif, parce qu'on aurait pu accrocher le nul et peut-être faire l'exploit de gagner, on aurait aimé, mais voilà, après, Brest a su mettre le coup d'accélérateur au bon moment, et félicitations à elle.